23 de chez Créolan. Tu veux quoi, ça rien du tout, je fais un petit live et après je vais aller me coucher. Je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai fait le live tôt. Ça, je suis un peu d'attaque et tout, parce que sinon j'allais m'endormir sur le téco. T'es plutôt tracteur. Par contre, guys, pas de ref, Jackie Tuning et tout là. Je suis pas du tout là-dedans, je suis pas Jeff Tuche. Donc me comparer à des bagnoles ou des tracteurs, guys, pas du tout. C'est pas du tout la direction artistique du live que je veux donner. C'est pas du tout ma personnalité. Ici, on est plutôt glamour, plutôt voilà, plutôt Cannes, Saint-Trope. Que là, non, non, on n'est pas au parking sur le Leclerc, là, en train de faire des drifts avec la bagnole qu'on a achetée débridée sur le Bon Coin. C'est pas du tout, guys, la direction artistique qu'on veut donner. Donc, non, non. Si vous voulez parler bagnole, vous allez sur le Bon Coin et tout, là, c'est pas du tout l'ADA. C'est le numéro 23 de chez Créolan, le rouge à lèvres. C'est les trois fois que je le dis à un moment donné, guys, je sais pas écouter ce que je dis, c'est pas possible. Hein. Ce sont tes vrais cheveux, oui. Je sais que j'ai du volume. Hein. Tu joues à quoi en ce moment? Fortnite toujours, je suis niveau 84 hein, sur le pass de combat. Et je joue en no build hein, parce que je suis une... Mais je joue moins là ces derniers temps parce que je vous dis je suis fatigué, je regarde des films plutôt. Ça m'énerve de jouer. Quand je joue, après j'arrive pas à dormir. La journée je travaille énormément donc j'ai pas trop le temps de jouer quoi. Monte tes ongles, je les ai pas fait bien. Donc les crasseuses. Hein. On n'oublie pas de nettoyer le son dessous des ongles quand on se lave, etc. Parce qu'il y en a, on dirait que vous, à chaque fois, ça vous sortez d'une heure de jardinage. On nettoie le dessous de ses ongles. Bande de dégueulasse. Et là, si vous pensez que c'est un truc, c'est du vernis semi-épais que j'enlève pas parce que j'ai peur de casser l'ongle. Voilà. Donc on nettoie. On arrête d'être des crasseuses. Pour toi, c'est quoi le métier le plus dur? Des métiers physiques, je pense. Quoique les métiers stressants, ça dépend des domaines. Dans tout domaine, je pense qu'il y a du stress et voilà. C'est pour ça que moi j'ai décidé vraiment de prendre mon temps avant de travailler. Merci pour les partages et les likes, n'hésitez pas à continuer. 8K, vous êtes vraiment des radins. Oh, c'est fou quand vous êtes des rats, vous êtes des pinces. Ah là là, chérie, oh, putain. Eh ben balancez le fond d'écran Apple. Merci chérie. Merci chérie. T'es reparti voir le pharmacien? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Oula les cheveux. Ouais, ils ont pris l'eau là. J'allais pas les relisser pour un live où j'allais me faire insulter de travelot. Ah bah chérie, je tolère pas là. J'allais pas relisser pour un live où j'allais me faire insulter de travelot que mes cheveux soient gonflés ou lisses. À un moment donné, le résultat était le même, donc j'allais pas non plus. Hein. Ma perruque, c'est une atelier du sublime. Hein. Je vous souhaite une bonne nuit à vous aussi, mes guys. Allô, il est 22h, 21h. Bah là, ça fait Brigitte Macron. Ah bah, j'aimerais bien. La perruque est gonflée. Oui, bah laisse-la gonfler. Oh là là, c'est bon, j'en peux plus. Là. Vous sortez tous du CAP coiffure. Vous n'arrivez même pas à estomper du shampoing sec et vous venez parler perruque avec moi. Laissez-moi tranquille. J'ai pris la flotte, je suis une fiotte. C'est normal qu'au bout d'un moment, ça gonfle. Merci, chérie. Bon, chérie, ça suffit maintenant. Merci, chérie, c'est gentil. T'as équipé. J'ai pas vos refs. Excusez-moi. Poppy veut revoir sa perruque. Oh, mauvaise. Je le prends bien, là, de beaux cheveux. J'écoute pas de musique, guys. C'est pas mon truc. Tu as de plus beaux cheveux que ma copine. Fan de toi, merci beaucoup. À cause de toi, je bois le coca direct à la bouteille. Bah, je suis influenceuse, donc c'est normal que tu copies mes mimiques. Ça bug là, je m'en fous. Hein. Bug, je m'en fiche. Viens, rentre. Non, pas du tout. Bug, c'est pas mon souci.
Et je m'en fiche, je peux parler toute seule, ça me dérange pas. La France est attaquée, elle a besoin de soldats, t'es prêt? Non, je pense qu'on se concentrera plus sur ton arbre généalogique et ta famille en général pour défendre la France. Moi, dans ma famille, on a un peu pédalo et tout, donc... Non, non, on te laisse te battre et sauver la France. On te laisse les médailles, mon cœur. Oui, j'ai Netflix. Merci, chérie. Que Dieu te guide. Merci pour ces rappels. Non, j'ai pas vu. Tu penses quoi de Lana Del Rey? Rien du tout, elle fait sa vie. T'es canon blonde, bah bébé, j'arrive pas à les coiffer, hein. J'arrive toujours pas. Mais bébé, blonde, 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 hein. Je suis de 99. Tu fais quoi, ça? Rien du tout. Je vais t'apprendre, bébé, il me faut un stage de 3 semaines, hein. J'y arrive pas. Mais celle-là, elle est morte en vrai aussi. J'abuse. On peut pas faire des miracles non plus. Je fais des lives le soir principalement. Fin salapé coiffure. Non, je pense que la formation de salapé coiffure, c'est vraiment les bases. Hein. Quand tu sais qu'il y a des salons de coiffure qui refusent des cheveux texturés, je suis en mode, mais du coup, vous apprenez quoi à part le balayage, genre? Si tu refuses quelqu'un qui a les cheveux crépus ou bouclés, c'est que ta formation, elle est pourrie. Hein. Je suis désolé. Hein. Si t'es coiffeur juste pour faire des permanentes et des tie-on dye à des vieilles, hein, super, toi. Merci, chérie. Moche, lui, je te trouve très culotté de m'insulter sur mon physique alors que le tien est un complexe. T'inquiète pas, il y a des gars qui s'intéressent pas forcément au physique. J'en ai pas encore trouvé, mais je me renseigne. Je te ferai signe. Coca ou Oasis? Le coca, ça désaltère pas, ça donne soif. Bonjour, hein, ça va? Ça va mieux, tes lèvres? Non, bien sûr. Ah, j'ai un frisson. Attendez, guys. On va procéder à un exorcisme, jusque là. Oh, ça m'a traversé. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien que le prochain mec qui me pénètre soit en vie. Parce que bon, les esprits, là, on se calme. Tes cheveux sont secs, c'est ta bouffe qui est sèche. Ça te donne la couleur, merci. Tu fais quoi, chérie? Je digère avec vous. Tu peux mettre de la musique? Pas du tout. Ah, moi, je mets pas du tout l'ambiance et tout. Là, je suis vraiment sur mon live, donc... T'es trop belle, merci beaucoup. Il y en a quand même qui ont bon goût, hein, je vois ça. Merci, chérie. Tu parles polonais? Pas du tout. Tu sais quoi, dans la vie, je suis belle. Moi, dans la vie, en vrai, j'ai pas cherché à aller plus loin que d'être jolie. Je pense que ça me va plutôt bien. Regardez-moi. Regardez-vous. Regardez-moi. Mon mascara, c'est le Huda. Merci, chérie. Je suis d'origine polonaise. Merci, chérie. On voit même plus les yeux. C'est gentil. Plus de Getting Ready. Mais je l'ai fait tous les jours en live, mais Getting Ready. Travaille à Lidl, non, mais même si je bossais là-bas, j'en serais fier. Faut être fier de gagner sa croûte, guys, hein, que vous bossiez à Lidl, que vous bossiez au McDo, que vous soyez en recherche active d'emploi, etc. Faut juste que vous soyez fier de votre parcours, hein. Faut, ça sert à rien de se comparer, ça sert à rien d'être déçu de son sort, etc. Pas du tout. Hein. Tant que vous arrivez à vous en sortir, à vivre et à être heureux, hein, entouré des gens que vous aimez, c'est le principal. Il y en a, vous jugez le travail des autres qui bossent à la Fnac, qui soient routiers ou je ne sais quoi, alors que c'est votre daronne qui vous donne à bouffer, qui vous donne de l'argent de poche parce que vous n'êtes pas foutu d'avoir le bac. Donc à un moment donné, faire des critiques sur le métier des gens alors que t'es pas foutu d'en obtenir un, je trouve ça un petit peu aberrant. Donc si tu pouvais fermer ta gueule, Christopher, ça serait gentil. Avec ta dégaine à tourner dans les ch'tis, là. Merci, chérie. Non, je suis toujours pas de duo. Pas encore un jour, peut-être. J'ai mangé des carottes râpées.
sais plus combien j'ai payé mes lèvres, bébé, ça fait longtemps. Ça fait 2 ans et demi. Hein. Merci, chérie. Non, je joue plus à Overwatch, j'ai perdu mon compte PlayStation, du coup j'ai la flemme de tout racheter et tout. J'avais dépensé 300 balles dans le jeu. Tu fais quoi ce soir? Rien du tout. J'allais me démaquiller, après j'en peux plus, après j'allais me faire foutre. Ton parcours. Bah ouais, je suis quand même pas dégueulasse. Pardon. C'est free to play, ouais, mais pas pour avoir des skins de star. Moi, je joue pas pour avoir le skin de base, etc. C'est pour les no one. Moi, non, chérie, moi j'ai les skins légendaires et tout. Je les avais tous. J'avais tous ceux de l'ange. T'as payé pour ces lèvres-là. Je te trouve un petit peu. Comment dire le terme sans t'insulter ta mère? Insolente. Je comprends pas bien le sens de ta question. Comment ça, j'aurais dû. Tu vois, ils viennent te chercher, j'ai appelé les flics. À un moment donné, faut pas jouer avec moi. C'est quoi ça, du charisme? Si tu veux, j'éternue, comme ça tu peux en récupérer un peu, parce que bon, vu la dégaine que t'as, on se croirait dans Jacques le Croquant. Les choristes. Le son des flics est hyper long, ouais, parce que j'ai mis en 0,25. Mon haut vient de chez Weekday. Aïe. C'est des faux cils. Non, bah on voit pas les cils, bébé, on voit même pas les yeux. On dirait que je fais du poker, on dirait Patrick Bruel. Rêve de ton rouge avec le 0,23 de chez Criolan. Vous suivez pas du tout, j'en peux plus. Personne m'écoute. Merci, chérie. Espèce d'oiseau rare. Bah, toi, t'es très commune. Tu pousses quelqu'un dans le métro, on le remarque même pas tellement t'es inexistante. Donc, un conseil. Renforce-toi, bois un coup d'eau là et va te coucher pour demain parce que ça n'aime plus des cernes que ta chaise, c'est des trous. Et vu comment tu combles tes autres trous, je préfère pas savoir ce que tu fais avec ton dessous des yeux. On va fumer, hein. Là on est beaucoup trop belles dents là, donc on va fumer une clope. Merci chérie, je suis d'origine polonaise. Sans curiosité ou méchanceté, je dois t'appeler Ilwell. Mais m'appelez pas, vous me parlez à moi. Vous allez pas parler dans mon dos, donc ça sert à rien de savoir mes pronoms. Vous allez pas parler de moi, à votre mère, à votre... Non, pas de focus ici. Hein. Sinon, moi, je sais bien. J'ai horreur de l'hypocrisie. Pardon, oula, mais ce soir, ça va pas. J'ai dit j'ai horreur de l'hypocrisie. Sauf si c'est moi qui la pratique, là. Pas de soucis. Moi, je vois l'hypocrisie un peu comme la pipe. On s'y fait au début, mais c'est très vite chiant. Donc, pas de focus ici, hein. C'est clair. Attendez, la lumière, elle est pas très belle. Hyper gênant, Charles, s'il te plaît. Hein. Je peux pas. On est tous très belles, guys. Vous inquiétez pas. Et si vous êtes moche, c'est pas grave, guys. Il y aura bien un mec avec des goûts de merde. De toute façon, il y a que ça dans la nature, donc il vous trouvera bien joli. Vous inquiétez pas. Faut pas du tout que vous complexiez par rapport à votre visage et tout, guys. Je vous jure, soyez fiers. De toute façon, vous pouvez pas tout retaper. Vous avez pas la thune. Soyons honnêtes, on va parler français. Vous avez pas la thune pour vous refaire le nez, pour machin et tout. Est-ce que vous seriez vraiment heureux si vous retapiez tout? Je pense pas. Donc, guys, vraiment, des loulous is the solulou. C'est ma devise, c'est-à-dire la désillusion et la solution. À un moment donné, vous en faites pas. Il n'y a pas que le physique, guys, il y a beaucoup le charme, etc. Ça joue beaucoup. Hein. Moi, malheureusement, j'ai que mon physique, mais c'est pas grave. On slaye tous à H24, de toute façon, bien sûr, et même si vous ne slayez pas tout le temps, c'est pas grave. Merci chérie. Ah, dispo. Period. Fatal ou ange? Ange. C'est trop une vislarde, cette fatale.
On te voit quand à la Dr Love poupée? Oh, j'adore cette soirée, elle est vraiment bien. Mais j'y ai été deux fois. Mais je sais pas, à chaque fois j'ai pas la motivation, c'est loin de chez moi. Terminal 7, c'est hyper loin. Aïe, et quelle couleur ta veste verte et bleue, je dirais. Merci pour les likes et les partages. Quand je vous remercie, souvent c'est que vous êtes pas troué le cul pour atteindre les trucs, mais bon. Écoutez, je vous aime comme vous êtes, c'est-à-dire avec vos défauts et vos défauts. Tu fais beaucoup de bruit. Non, je fume pas de Vogue. Tu fumes pourquoi? Parce que je trouve que mes dents sont beaucoup trop blanches. Ouais. Je suis un peu, comment on dit, daltonien sur les bords. Un crâne, il ressemble à ta prof, à ma prof d'allemand sur les bords. Bah, va réviser tes verbes irréguliers. J'ai une mention assez bien brevet. Coucou. T'es plus fraîche que moi. Non, arrêtez de vous dévaloriser quand vous faites des compliments aux gens. Vous pouvez le faire à moi parce que moi je suis star, donc moi je suis, je le prends pas mal, mais souvent les gens, ça donne un côté un peu faible quand vous faites ça aux gens. Et le faites pas parce que sinon ils s'en serviront contre vous. C'est tous des connards de façon les gens, donc n'oubliez pas, guys. Ne vous dévalorisez jamais pour faire un compliment. Les gens s'en serviront. Mon haut, je l'ai eu à Weekday. Non, je suis pas moniteur d'auto-école, Manu. Merci, chérie. Une bombe, merci, chérie. T'as pas autre chose à faire, Alicia? On est au même endroit, donc ma belle, t'as pas plus de choses à faire que moi. Tu veux pas aller coucher les gosses? Je sais pas, fais un truc, joue avec leur couche. Fais quelque chose. Tu fumes la puff? Non, j'ai arrêté d'acheter des puffs. Ça me coûtait trop cher, j'en ai acheté deux par jour. Où est-ce qu'il y a du bruit dans ma tâche? Bébé, c'est dans la rue, réfléchis. C'est incroyable que quelqu'un s'assume autant. Il y a plein de gens qui s'assument, guys. C'est pas parce que t'es un mec qui se maquille. Ça se voit plus quand t'es un mec qui se maquille, mais il y a plein de gens qui s'assument sur différentes catégories. Non, c'est pas le mot adapté. Différents, je sais pas, genre. C'est tout aussi beau d'avoir un complexe et de l'assumer, tu vois. Bah, moi, c'est pas un complexe, genre, allô, c'est ma gueule, genre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Faut pas plus me féliciter que quelqu'un d'autre qui s'assume, genre. C'est pas bien de fumer, tu sais, merci, hein. Pour tes remarques. Différents points. Ouais, différents trucs. T'es dans quel arrondissement, Andrea? T'es une fille, donc ça m'intéresse pas de te donner mon adresse, je t'avoue. Je préfère les garçons. Voilà, je préfère, je suis honnête. Moi, je suis Franche du Collier. De toute façon, je pense que vous l'avez compris. Voilà. Je suis là pour ça, moi. Tu portes des cols en an. Non, chérie, on est en hiver, donc autant te dire que je porte pas grand-chose en bas. Trans, non. Non, je suis un mec. C'est Criolane, mes lèvres. Le 023. T'as des animaux, j'ai un poisson. Qui s'appelle Kylie Swim, comme la marque de maillot de bain de Kylie Jenner. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas, il nage. Tu veux qu'il fasse quoi? Tant qu'il est pas sur le dos. Quoi de prévu? Tu n'as rien du tout pour l'instant, ma chérie. Et toi? Tu sors ce soir? Pas du tout. On est quel jour? On est mardi. Bébé, tu veux sortir où? Qui sort le mardi? Tu vas voir un psy ou un psychiatre qui me donne des médicaments. J'en ai pas honte, j'assume. On se voit à la DL, bébé, le 3 mars.
À voir en vrai, pourquoi pas. Salut! J'ai une grosse bouche, évidemment, que je m'en sers un peu trop. Je rigole, guys, j'attends le bon. Mais bon, on a le droit de goûter avant quand même, avant d'acheter. Je rigole.